J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va faire une carte. Ouais, bah, vous le savez, hein, de toute façon. Je crois que je dis à peu près ça à chaque vidéo. Bref. Aujourd'hui, on va faire une carte parce que... en fait, je voulais essayer de faire une carte. Je vais vous montrer avec ça. Vous savez, ces planches de tampons là, de chez Florilège. Ah donc là il y a le mot, hein, il est là. C'est les combos clear et dye. Donc j'ai envie d'essayer de faire une carte avec ça. Pour tout vous dire, j'en ai déjà fait une pour tester. Et bah du coup je vais vous la faire. C'est une carte ultra rapide. Donc on va faire ça. En plus on va utiliser de l'aquarelle. Donc je vais vous montrer. On va avoir besoin d'eau, donc moi j'ai toujours un pichet d'eau dans mon nécessaire à scrap. Voilà, on va avoir besoin, pardon, du tampon, de l'Ersafine. On va avoir besoin d'un sachet de congélation. Ici je vais aussi avoir besoin de la planche de tampon alphabet de Miaoups Création pour finir d'écrire ma petite phrase. Bon bah du coup un petit bloc acrylique, et ici je vais utiliser mes feutres aquarellables de chez Docraft. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Je les ai achetés sur Amazon, voilà. Et puis après vous aurez besoin d'un papier blanc qui fait 10 par 14,2 et d'un papier noir qui fait 10,4 sur 14,6 et de double face pour coller le tout. Donc je vais vous montrer, ça va aller très vite, vous allez voir. Je vous mets en musique et puis on se retrouve juste après. Voilà, la petite carte est terminée. Donc franchement, vous avez vu ça, c'est vraiment très 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 simple. Et ben voilà, un fond aquarellé, un petit tamponnage, des petits dots, et ça le fait. Donc je vais vous montrer
Celle que j'avais fait en test, j'avais fait la même, mais dans un autre dégradé de feutre d'aquarelle, quoi. Donc, dans les bleus et verts. Je la trouve très jolie. Et du coup, j'ai fait les dots noirs et verts. Et on peut faire plein de cartes vraiment avec tous les mots de chez Florilège. Comme ça, je vais vous en montrer une deuxième. J'en ai fait une autre. Avec un fond au pochoir, cette fois-ci. Et j'ai écrit « Bonnes vacances ». Voilà. Et donc, bah, vous voyez, hein, j'ai donc utilisé le mot « vacances » de la planche de Combo et Die. « Vacances ». Voilà. En tout cas, j'espère que ces petites cartes vous auront plu. Hop. Comme ça, peut-être, elles rentreront toutes dans le champ. Et encore, je vais peut-être dézoomer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est toujours... j'essaye vraiment de vous proposer des tutos faciles. Hein. Vous avez vu, j'essaye de moins me compliquer des fois. Et ça peut donner vraiment des trucs sympas. Et j'espère vous donner des idées pour utiliser ce que vous avez chez vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao !